Bon, voilà comment j'ai décapé tout ça. J'ai poncé le dessous. J'ai poncé le tout, en fait. Mais vraiment très, très fort. Et là, je vais procéder à la peinture. On a trouvé cette peinture-là. Je crois que c'était la peinture qui était restée des travaux dans l'appartement. Donc voilà, là je vais peindre et puis je vais vous laisser observer. 7h51. Bon, voilà, vous pouvez déjà voir ce que j'ai fait. Je pense que pour moi ça suffit, les rénovations là, en tout cas tout ce qui est déco. Je préfère du tissu, des poupées, tout ce qui est fille quoi. Là franchement, tout est sale, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, j'espère que ça vaudra le coup quand même. Mais j'ai manqué de peinture, donc déjà ça sèche. Il faudra que j'en mette une deuxième couche, je ne sais pas quoi ça va, qu'est-ce que ça va donner. J'ai pensé acheter de la peinture en bombe pour combler, voyez, tous les vides là en blanc. Enfin bon, c'est franchement, je suis un peu déçue du résultat. Il fallait poncer encore mieux parce qu'on voit ici quelque part, là, on voit bien que c'est mal poncé. Là, c'est pareil. Enfin bon, moi qui est perfectionniste, je n'aime pas quand c'est comme ça. Voilà, en tout cas c'est mon premier essai et peut-être le dernier, je sais pas, on verra bien. Je vous laisse et je vous montrerai la fin, la suite, ce que ça va donner. J'espère que d'ici demain, après-demain, ça sera terminé. Voilà, le meuble est terminé comme ça. Finalement, on a décidé de le repenser encore un petit peu. Bah, ça lui a donné un côté un peu vieillot. Bah, c'est plutôt pas mal, on va laisser comme ça, on va pas le repeindre. Je pense que c'est mieux comme ça. Parce qu'en plus, qu'on voyait ici... Il y a un peu du blanc à travers, donc du coup, bah voilà, j'ai décidé, je me dis, ça peut être pas mal comme ça. Donc, je laisse ce meuble dans cet état-là. Je pense que on l'a bien restauré. On l'a bien restauré.